Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Ils dirent encore « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Garde! Prépare-moi un cheval! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas ce que je dis? Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien. Pourquoi on l'appela du nom de Babel? Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je me trouve à Strasbourg. en France, devant le bâtiment du Parlement de l'Union européenne. Ce bâtiment a été conçu d'après le tableau du peintre Bruegel, qui représente la tour de Babel, tour inachevée, et il a été construit de façon à représenter un édifice inachevé. Pourtant, il est bel et bien terminé. Il abrite le Parlement européen, et je suis en ce moment même devant ce bâtiment dont la construction, qui a coûté 12 milliards de dollars, a été achevée en décembre 2000. Il y a quelques années, lorsque les politiques européens voulaient faire connaître l'objectif qui soutenait la création de l'Union européenne, afin de nous convaincre d'en faire partie, ils ont lancé une publicité basée sur le tableau de la tour de Babel par le célèbre peintre Bruegel en 1563. Le bâtiment du Parlement européen a été créé d'après cette peinture. Regardons attentivement l'affiche. On remarque Babel, accompagné de ce slogan en français, plusieurs langues, une seule voix, ce qui est l'inverse du jugement de Dieu sur Babel. Notons aussi que les étoiles à 5 branches du drapeau européen ont été renversées. Pourquoi? Parce que c'est un signe occulte connu. Quand les pointes sont vers le bas, cela représente la tête du diable avec les cordes. Regardez aussi le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Normalement, c'est pour représenter la couronne de Marie, reine du ciel. Mais dans la culture babylonienne, le titre de reine du ciel est le titre légendaire donné à la mère terrestre de Nemrod, le constructeur de Babylone. Mais qu'est-ce que Babel? Selon le récit biblique, la ville de Babylone a été construite peu après le déluge par l'un des descendants de Noé, appelé Nemrod. Les hommes se sont rassemblés afin de se donner un nom et d'accroître leur puissance, et ils ont construit une grande ville qui avait en son centre une grande tour, un temple appelé Babel. Cette tour était le symbole de leur rébellion contre Dieu. Leur intention était d'atteindre le ciel pour prouver qu'il n'y avait pas de Dieu, ou s'il y en avait un, la tour serait assez élevée pour qu'ils échappent à un second déluge, conséquence de leur péché. Dieu détruisit la tour de Babel, et la ville devint célèbre pour ses péchés et sa rébellion contre Dieu. Bien plus tard, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu permit que même les enfants d'Abraham, les Juifs, soient emmenés en exil à Babylone à cause de leurs péchés. Pendant que nous prenions ces vues, j'ai demandé à une journaliste native de Strasbourg si elle comprenait la signification de cette tour. Effectivement. Et elle m'a confirmé que les membres du Parlement européen comprennent eux aussi que ce bâtiment représente la Babel de la Bible. Mais que le but de l'Union européenne est de finir ce que Nemrod et tous ces gens rassemblés n'ont pas pu réussir à accomplir il y a quelque 3500 ans. Que veulent-ils finir? La tour? C'est-à-dire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. Cet édifice du Parlement européen est donc le symbole de l'orgueil de l'homme et de sa rébellion contre Dieu. C'est un lieu que Dieu devra finalement détruire à cause du péché. Une tour, un temple moderne, symbole d'un peuple au XXIe siècle qui s'unit pour dire « Dieu est mort, créons nos propres dieux ». Plus tard, c'est aussi à Babylone que Daniel reçut la vision montrant que l'avenir se terminerait par la restauration de l'Empire romain qui serait finalement détruit par Dieu. Je veux vous montrer que vous avez ici comme un modèle d'échafaudage. Ces cercles qui entourent le bâtiment veulent représenter ou être une imitation des échafaudages sur un bâtiment inachevé. Pourtant, celui-ci est non seulement achevé, mais il sert déjà. En d'autres termes, l'intention est d'évoquer partout la tour inachevée de Babel. Babylone. Et pourtant, c'est le Parlement européen à Strasbourg. Ce n'est pas Babylone, c'est Strasbourg dans l'Union européenne. Le terme franc-maçon est franco-anglais. Il est issu de la contraction du mot libre et de maçon, désignant ceux qui travaillaient à la construction des édifices. Lorsqu'ils n'ont plus eu le droit d'être des Templiers, ils se sont regroupés. Leur communauté ne rassemblait pas que des maçons, mais tous les corps de bâtiment. Ils ont formé des loges, et ainsi, lorsqu'un frère maçon venant d'une autre loge se présentait dans une ville, ses pairs avaient le devoir de l'héberger, de le nourrir, et dans la mesure du possible de lui donner du travail. Pour d'autres, comme le journaliste d'investigation John Rapoport, les chevaliers du Temple sont simplement passés dans la clandestinité sans jamais disparaître. Mais à présent, il prétend que les chevaliers ont ressurgi et probablement infiltré la franc-maçonnerie. Selon moi, les francs-maçons sont une émanation des chevaliers du Temple qui avaient été partiellement anéantis par l'édit du pape et le roi de France, et s'étaient enfuis pour se reconvertir sous la forme d'une confrérie secrète appelée franc-maçonnerie. Ils se sont affranchis de leur passé de Templiers afin que personne ne découvre qu'il s'agissait d'une reconstitution. Lorsque les chevaliers du Temple sont rentrés de la Terre Sainte avec leurs nouvelles richesses et les connaissances qu'ils avaient acquises, ils se sont mis à travailler en étroite collaboration avec des confréries de maçons. Ces confréries se serraient les coudes à la manière d'un syndicat et travaillaient en collectivité à l'édification de cathédrales et d'églises. Ce sont donc les confréries de maçons qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Aux États-Unis, on estime que les francs-maçons se sont implantés dès la Révolution. Plus encore, l'écrivain Jim Mars et d'autres sont convaincus qu'ils sont très vite devenus des acteurs politiques du jeune gouvernement. De leur propre aveu, les francs-maçons ont joué un rôle très important. La Boston Tea Party aurait été organisée par les membres d'une loge maçonnique qui, une fois leur tenue achevée, se serait habillée en indien avant de jeter la cargaison de thé dans le port de la ville de Boston. La proportion de francs-maçons parmi les pères fondateurs des États-Unis risque de surprendre bon nombre de personnes. Aux États-Unis, lors de l'époque coloniale, la franc-maçonnerie était le nerf de l'économie. Dans de nombreuses villes, il fallait devenir franc-maçon pour faire des affaires. Lorsqu'il est arrivé à Philadelphie, Benjamin Franklin a vite réalisé qu'il lui fallait rejoindre cette confrérie s'il voulait que la ville fasse tourner son journal et ses presses d'imprimerie. John Hancock savait qu'à Boston, où un tiers de la population dépendait de lui en matière de revenus, il pouvait se fier à ceux qui étaient francs-maçons et ne donnait donc pas de travail aux profanes. Dans une lettre rédigée par son frère, George Washington apprenait qu'en devenant franc-maçon, il lui serait plus facile de trouver des chantiers. Parmi les 57 signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, plus d'une cinquantaine étaient connus pour être des francs-maçons. Le rôle éminent de la franc-maçonnerie dans la formation des États-Unis ne fait donc aucun doute. Il s'agit peut-être d'un hasard, mais la formation des Illuminati en Bavière coïncide exactement avec la constitution de l'État américain. Les Illuminati ont-ils découvert une communauté secrète particulièrement bienveillante à leur égard au sein de la jeune nation américaine? Les Illuminati ont été fondés au cours de l'année 1776, un 1er mai. Un mois qui par la suite deviendra en quelque sorte celui du communisme international. On les appelait les détenteurs de la lumière, Illuminati pour illumination, la connaissance de soi ou du monde à travers la lumière. En réalité, il y a eu plusieurs groupes Illuminati. Le plus connu est celui de Bavière, dont la devise « Liberté, égalité, fraternité » n'est pas sans rappeler quelque chose. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'esprit des pères fondateurs des États-Unis. Une fois la franc-maçonnerie solidement établie en Europe et aux États-Unis, les Illuminati commencent à étendre secrètement leur pouvoir en infiltrant les loges maçonniques. Mais en 1782, à la convention de Wilhelmsbad, les Illuminati se sont introduits au sein des Chevaliers du Temple, au sein même de la franc-maçonnerie. C'est là que la fusion des Illuminati et des francs-maçons a eu lieu. Certaines de ces loges ont été infiltrées par Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminati, en 1776. Il estimait que le noyautage de certaines loges maçonniques solidement implantées constituait un excellent moyen de passer le mot afin de contrôler la mise en place de sombres projets à une échelle internationale. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. And that's why I wanted to speak to you today about the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order now within our reach. In the coming weeks, I'll be talking in some detail about the possibility of a new world order emerging after the Cold War. But today, I want to discuss another aspect of that order. You see, as the Cold War drew to an end, we saw the possibilities of a new order in which nations work together. It refers to new ways of working with other nations to deter aggression and to achieve stability. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and evolving world order. The new world order really is a tool for addressing a new world of possibilities. This order gains its mission and shape not just from shared interests, but from shared ideals. After the Gulf War had ended, Bush was so obsessed with the idea of a new world order that he had a series of Glocks imprinted with the term that he would give to members of his administration, including Colin Powell, Brent Scowcroft, Dick Cheney, and General Norman Schwarzkopf. Suddenly there was a threat to this world from some other species, from another planet, outside in the universe. We'd forget all the little local differences that we have between our countries. 2 ans plus tard, le président Reagan fit les gros titres de la presse nationale en évoquant de nouveau les extraterrestres à l'Assemblée générale des Nations unies. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. After 1989, President Bush said, and it's a phrase that I often use myself, that we needed a new world order, and instead it looks like we got a lot of disorder. Nous pouvons démonter n'importe quelle structure bâtie de main d'homme. Tout bâtiment a une durée de vie limitée, que ce soit un gratte-ciel, une cheminée ou ce que vous voulez. Les explosifs ont un pouvoir illimité pour ce genre de travail. Dans un endroit urbain comme Newark, dans le New Jersey, nous pouvons démolir un immeuble sans même casser une fenêtre de l'immeuble d'en face. Les gens se demandent toujours comment nous nous débrouillons. Nous démolissons un immeuble en 11 secondes. Les autres prennent 11 mois. Who was a director in the company that provided electronic security for the World Trade Center and Washington's Dulles Airport, both involved in September 11th? None other than the president's younger brother. From 1996 to 2000, SecureCom installed what was referred to as a new security system at the World Trade Center. Wirt D. Walker III, a cousin of the Bush brothers, was CEO of SecureCom from 1999 until 2002. Interestingly, these facts have not been made public. Was it only a security system that was added during those years, or was it also the wiring for a long-awaited plan? Scott Forbes, an IT specialist in a firm that had leased space in the South Tower since its erection, reported an unprecedented power down in his building for almost the whole weekend prior to 9/11. We were notified 3 weeks in advance of the power down by the Port Authority. During that weekend, the power down meant that there was no security. The doors were all open, basically. And also the security video cameras were all off. But there were guys in overalls carrying huge toolboxes and reels of cables walking around the building on that weekend. Others reported that the security alert was inexplicably lifted 5 days prior and bomb-sniffing dogs were removed. What would the dogs have discovered had they remained on duty? Trent'anni dopo la serie di stragi sanguinose ancora nessuna verità è mai possibile. La verità l'abbiamo in parte trovata, insomma, che ormai è abbastanza chiara la verità, che ci sono state complicità dello Stato o di frammenti dello Stato con la mafia e col terrorismo nero e con la massoneria, che erano poi fusi e armonizzati in questa organizzazione che si chiama Gladio o Stay Behind, che è un'organizzazione internazionale che era manovrata dalla CIA. Quindi praticamente questo ormai è un fatto abbastanza accertato. Prima era fantascienza, ma ormai è sicuro, ma il problema è che esiste ancora, va bene. Una stagione che serviva a destabilizzare lo Stato perché? Non serviva a destabilizzare, serviva a impedire la dinamica politica, nel senso di spostare gli equilibri politici da destra verso centro-sinistra, verso la sinistra. Hanno fatto tutto questo non per fare dei colpi di Stato, ma per rafforzare il potere, destabilizzare l'ordine pubblico, per stabilizzare il potere politico. Lei nelle sue indagini si è imbattuto nel gruppo Bilderberg 30 anni prima che lo conoscessimo tutti. Per la verità si era imbattuto Emilia Alessandrini in un documento che io ho trovato miracolosamente, ho scritto questa parola che ho trovato in questo documento del 67, e poi dopo che io ho scritto questo si è trovata questa riunione Bilderberg che si è verificata a Roma e di cui nessun giornale ha parlato tranne la Dacospia. Quindi il gruppo Bilderberg, bisogna vedere che scrive questo documento importantissimo che io ho citato tra virgolette. Beh, dice che è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, il gruppo Bilderberg, responsabile delle stragi. Il fatto che oggi ci troviamo personaggi del governo, vicini al governo e all'imprenditoria. Qualcuno non sappia nulla, però il Bilderberg fa queste cose qua, cioè governa il mondo e le democrazie in modo invisibile, in modo da condizionare lo sviluppo democratico di queste democrazie. Grazie. It's been a long time coming because of what we did on this day, at this defining moment. Change has come to America. President Obama and British Prime Minister Gordon today calling for a new world order to tackle our global economic crisis. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Its task will be to develop an overall strategy for America in this period when really a new world order can be created. It's a great opportunity. We've got to give them a stake in creating the kind of world order that I think all of us would like to see. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial, Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années, les socialistes, mais pas simplement les socialistes, tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. talk about the New World Order defined, as you have, as being Luciferian. Yes. How do you know that? My investigations led me to look at the back of the American dollar, and I found these strange seals on the dollar here. They're Illuminati seals, which was a secret society set up in 1776 by a man called Adam Weishaupt. And on the back of the dollar here, you see the seal on the left-hand side, and there's an eye in the triangle. It's the Eye of Horus in Egyptian mythology, now called the Eye of Lucifer or Satan. Announcing the birth of, and down the bottom, Novus Ordo Seclorum. And that great seal of the United States has on it, Novus Ordo Seclorum, a new order. And people should be asking the question, what is an Egyptian pyramid doing on the back of an American dollar? What link-up is there between America and Egypt? The answer is none at all, except in the field of the occult. And thus we see we're dealing with a Luciferian plan. People need to recognize the God of Freemasonry will lead the world into this peculiar and particular purpose for which America was set up, which is to lead the whole world system into a one-world government, a one-world religion, a one-world law system, and a one-world money system that the Bible calls the mark of the beast. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre, c'est 666. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main, et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur. Ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. Hundreds of people in the valley say they are hearing voices in their heads. And those voices are being transmitted by microwave or other methods. Well, several viewers asked us to investigate what they call electronic harassment. KMIR 6's Angela Monroe joins us now with what she's discovered. Angela. Electronic harassment, synthetic telepathy, voice-to-skull technology. Chances are you haven't heard of these terms. But after searching the internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only it's thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, hearing voices and what they'll call voice-to-skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active in following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, Randall Ringer. And I sat up straight and I went to the bathroom and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation, and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Rogue government officials that are sponsoring this. Also corrupt business officials and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Barack Obama is way ahead on the electoral college map. After tonight, whoever wins, do you think this country can come together? It's important that this country comes together, and it's important that the eyeballs that have been on this process, that we continue to stay involved in what happens to America. Just because the news doesn't cover it doesn't mean that we don't take responsibility in our own community. Here's what's interesting. Did you know that the NIV uses the term new order about the coming of Christ? In the King James Bible, Hebrews 9:10 says, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Now that's talking about something that already happened in the past, right? The time of Reformation is a reference to the coming of Jesus Christ. Now you gotta understand that. That is a reference to the first coming of Jesus Christ. We no longer do the meats, the drinks, the divers washings, the cardinal orders. We no longer do any of that. Why? Because of the time of Reformation came. The Lord Jesus Christ came. Listen to the NIV. External regulations applying until the time of the new order. And then if you read verse 11 in the NIV, it makes it sound as if that's something that's still coming in the future. The new order was not just the first coming of Christ, but that the second coming of Christ is what's referred to by the new order. The Good News translation comes right out and says it. These are all outward rules which apply only until the time when God will establish the new order. The New English Translation also calls it the New Order. The Common English Bible also calls it the New Order. The best-selling Bible in America today calls the coming of Christ the New Order. Guess what? There is coming an antichrist, and when he comes, it will be the time of the new order. But that's not what Hebrews is talking about. There's a lot in these new Bibles that tamper with end times Bible prophecy in order to prepare people to accept the Antichrist, in order to prepare people to be sucked into this new world order, in order to prepare people to be deceived by this global government, one world religion, one world system of the Antichrist, and to receive the mark of the beast. Pastor Jimenez, you're going on these conspiracies. You believe in the new world order? You think it's crazy to think that there are bankers and people out there trying to bring in a one world government? I don't know if you've ever read the book of Revelation, but the Bible tells us that the Antichrist is going to bring in a one world government. The Bible tells us that the Antichrist is going to bring a one world religion. I don't think it's that far-fetched that people are saying, oh, the bankers are bringing in a new world order with a one-world government, with a whatnot. Now, they may think, you know, these conspiracy theory guys, they may think, oh, it's just the bankers, it's just this. But we know in the Bible that the Antichrist is bringing in that same thing. That's what the Bible says. From the Garden of Eden, there's been an attack on the Word of God. Even before the Bible was completely written down, there was an attack on the Word of God. And you think it's different today? It's not. The only way you and I know that Satan's name is Lucifer is because of Isaiah 14:12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Now I want you to notice, it gives us his name and it gives us his title. O Lucifer, son of the morning. So what's the title of Lucifer? Son of the morning, right? Revelation chapter 22, verse 16. The King James Version says this, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am, this is Jesus speaking, I am the root and the offspring of David, this is Jesus speaking, and the bright and morning star. Do you see that? What did Jesus call himself? The morning star. That's his title. So both the King James and the NIV in Revelation 22:16 state that Jesus Christ is the morning star. What does the NIV call Lucifer falling down from heaven? How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. So instead of Lucifer being cast out of heaven in Isaiah 14:12, in the NIV you have Jesus being cast out of heaven. Now look, the Bible has told us that Lucifer or Satan was cast out of heaven for wanting to be like the Most High. Wanting to be like God. Look, the NIV, after attacking Christ's deity, after attacking his preexistence, after attacking the fact that he was born of a virgin, that he had no beginning, that he had no ending, that he was God in the flesh, it's now accusing him of wanting to be like the Most High. He is the Most High. Amen. According to your NIV, Jesus fell from heaven and not Lucifer. The people who are behind these versions are of Satan. Satan wanted to corrupt the word in the Garden of Eden, and we are not ignorant of his devices. David Rockefeller a remercié les médias en personne pour avoir étouffé toute l'affaire. Il a dit « Sans votre aide, nous n'aurions pas pu mener à terme notre expansion mondiale. » Chaque année, ils se rencontrent en secret. Et il y a un blackout total de la presse. Aucun de ces journaux ne rapporte ce qui s'y passe. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.